Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui l'on attendait nous, sous TV Lakay. TV Lakay fait un grand événement qui entre Lakayou. Non, l'idée pour nous capables de porter toutes dernières informations qui ont devenu le pays d'Haïti, et qui trouve en dedans ou dehors pays, nous saluons et nous remercions pour le support, parce que c'est nous-mêmes qui aidons à nous partager l'information, et nous-mêmes qui permettons que la chaîne arrive plus loin. Nous demandons de continuer à abonner, continuer à partager, continuer permettre plus de monde que visiter nous sur channel YouTube ça et ou même qui fait que brancher nous merci et n'a pas tout abonné et son jour final abonné activer cloche de notification retirer le sous personnalisé mettez le sous tout comme ça vous recevoir en premier à chaque fois nous la une nouvelle vidéo sur channel YouTube ça causer ou pas petit dans le pays d'Haïti sous question insécurité à banditis neg bandit c'est presque ce que vous faites la loi dans le pays d'Haïti on dit ça vous voulez et yo écrit moun yo vle yo rele moun yo vle nan peyi an et yo passe yo lòt jan yo vle nan peyi an et ben c'est le cas de nèg village dédié nou konnen k ap dirije pa Mano ak Izo ki baza rele 5 secondes mais c'est Anel Joseph qui t'écrit baza mais monsieur moun konnen a et monsieur moun et ben côté la police arrive hier intercepté la patte yo mette la patte sou yon Nissan Patrol blanc et ben Nissan ça que yo identifié qui toujours participé dans kidnapping dans pays hein et yo kembil ak plusieurs et l'autre nèg en dans machine et ben en total de 7 nèg environ que la police a limité en bas code dans même cadre opération ça et gen une machine yo qui t'assemblé sur Prado noir et ben Prado a échappé pour lui la police pas de chance pour intercepter par rapport avec plusieurs coups de balle qui t'a tiré. Eh bien, la police a une difficulté pour arriver à mettre la patte sur ça. Mais, information yo là, en pile, par rapport avec détail qui approfondit, qui t'a réduit, qui t'a sorti sous question, machine ça, eh bien, nous connaissons, la police, toujours a dit, eh bien, dans la conférence, qui aura le bail, explication. Mais là, avec vidéo pour nous supporter par la police là, lui-même, qui a porté précision, en pile détail sur sa capacité dans la République, qui a à voir avec sécurité, et qui insécurité qui passe suspend et prend longueur dans le pays a, avec l'autre nouvelle qui a rapport avec politique côté opposition a, plusieurs monde dans l'opposition déjà porté plainte pour directeur et DCPJ qui ont impliqué dans plusieurs désordres qui a passé dans la République. Oui, et porte-parole, on croit faire office tout de responsable communication de la police. Je n'ai pas senti le bureau communication de la police là. Moi-même, comme Guerri Henry, qui a un droit, qui a une obligation pour le bail vérité, pour le dire exactement sa nouvelle, il n'est pas facile pour nous donner information dans la police, porte-parole. Ah, ok. Fais un pile fort pour corriger ça pour nous, parce que les journalistes ont besoin d'informations dans la police là. Il n'est pas facile. Ça veut dire, si c'est plus que nous mettons, il faut nous faire un genre. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas en principe, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Tout à fait. Alors, moi, apprécier les conseils que nous avons fait. Et moi, je comprends toutes les préoccupations. Moi, je connais comme journaliste professionnel et senior. Et information, même si j'ai besoin de tout. Authenticité, tout les détails au niveau de l'information, moi-même, qui est là pour communiquer avec nous, comme armée, nous sommes argumentés. De manière, si il y a une question directe ou des questions relancées, pour être capable de mesurer ou capable de prendre le détail possible. Alors, ça ne peut pas passer. Mais comme vous, justement, c'est après appel là, que vous faites considération, hein, mais c'est parce que justement, c'est dans le débriefing après l'opération que la police s'est menée jeudi à l'événement. Et justement, nous avons l'entrée dans le compte qui fait que nous ne pouvons pas répondre. Alors, moi, je comprends que vous passez en tout, et je comprends tout sorte d'informations pour vous. Comme journaliste et quand il y a un capitaine, nous avons besoin de venir avec l'information. Je comprends. Alors, nous avons fait l'effort pour que nous, ensemble, nous soyons capables de poser position. Parce que j'aime nous faire ouvert aux critiques. Et je pense que les critiques pour l'un et critiques pour la nation permettent de nous avancer ensemble. Font-il baisser le volume radio encore légèrement, Gary? Mais il faut clairement ou casser le rythme. Parce que là, nous avons monté plus haut. Monter sans tension. Félicitations, nous avons une capacité. Mais ou casser la tension. Ça, j'ai souffert, cassez-moi là, même d'avoir le mot de pivot, même pas avoir banco, pas de problème. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Et je vous dis, on a fait l'effort et ensemble avec les concours, que nous sommes capables de porter amélioration et comme service qu'il a pour la presse,
également avec les journalistes. Gagné une photo qui a circulé qui dit que vous mettez à vie de recherche des fantômes. C'est faux ou vrai? Et jusqu'à présent, par la volant, pas informé de ça. Jusqu'à présent, par la volant, pas informé de ça. Ça veut dire, ou pas qu'à dire nous si ça y a affiché, s'il est vrai ou bien s'il faut. Mais ça qui affiche, c'est la police qui met le dehors ou bien? Ou a réalisé, à cause de la vidéo de recherche qu'on lance, photo, et puis on est capable de prêter avec l'ordinateur, et puis mettre votre photo. Et nous réaliser que ça te fait tort, on demoiselle, vous songez, de te mettre des photos, non, bah, comme ça. Et pendant ma parole, m'a dit non. Pas au courant de ça. Et si c'est à ça, ok, ça veut dire, la police pas au courant de ça qui a circulé sur Facebook ou bien WhatsApp là. Ou d'accord? Justement. Ok, merci un peu. Kounia, gagné, moi j'ai attendu Gary Pierre-Paul Chabot dit que la police dans la zone Avenue Muller l'y croisé avec une machine, on Nissan Patrol, service de l'État 06047. Machine ça, te gen nèg armé la dan, échange coup de zam, gen nèg ki blessé, nèg yo kouri yo kite téléphone. Et ben mwen, ki sa information yé nan et sacrivé jodi a nan Avenue Muller et porte-parole. Et vous permettez de capable partager effectivement quelques éléments d'information avant même pas partager tout parce que pendant ma parole là et véhicule ça fait au parler lui même dans le niveau de la mission départemental de l'Ouest et gagnant et STBJ qui a fait enquête préliminaire là et probablement dans les heures où demain il y a peut-être transféré dossier au niveau de la direction centrale de la police. Effectivement, c'est gagnant selon toute information que j'ai pour le moment, c'est gagnant une information à l'aide sur deux véhicules et qui t'a sorti en direction de dans zone de la ville. Côté que des véhicules, ça s'est tombé comme de couleur noire. Également, il y a une Nissan Patrol de couleur blanche. Et j'en dis un niveau plaque blanc, c'est SP06047. Côté que la police a usé, intercepté des véhicules, ça avec Mounki Abolio, qui ont total de 7, mais il y a plus de monde, parce qu'ils ont été courus. Et l'autre qui comme là, lui-même, c'est peut-être servi dans un backup. Et pour lui-même, pour être capable de sortir à l'aile d'un point, il y a un point. Alors, ça, c'est moi qui ai gagné comme information. Et il y a sept mondes qui sont interpellés et qui, pour le moment, ont répondu à une question au niveau de la SDPJ. Et j'en doute tout à l'heure, qui va transférer dans les minutes, dans les heures qui viennent, ou le matin, à la direction centrale de la police judiciaire. Mais c'est sept mondes, mais il y a gagné plus de monde dans les patrons. Et les patrons, c'est pour éviter Palman, côté que yo arrête chauffeur et qu'il y a toujours une quantité de troupes qui est à bon véhicule là, et qui est arrêté. Mais j'aime de là, pas bien anticipé, et il y a une SDPJ qui a proposé qu'est-ce qu'il y a fait prisonnier et n'a pas mesure fait un point et plus large sur cette question ça. Dans la prochaine conférence de presse que nous présenté soit demain ou vendredi. Ou bien, quand c'était mon qui était dans la machine, nan, ou fait nous connaître qu'il a arrêté chauffeur et puis il a arrêté, conducteur à souffler, ou bien mon qui t'a piloté machine, nan, ou bien mon machine ça, lié au service de lui même, nan, et n'a parlé de Guy Marie Chéri. Mais est-ce que mon yo te gen zama avec yo dans la machine? Nan? Alors, j'aime Dolan, et c'est à chaud que je partage les avant, n'a pas élaboré un peu plus dans la conférence. Non? Mais ma chaîne a gagné plus que 7 qu'on la donne, c'est gagné oui, mais c'est 7 qui est arrivé et interprété. Ok, et puis comme nous, là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver jeudi. Et puis comme nous, là, il prend la fuite. Il prend la fuite, là-dedans. Il prend la fuite, etc. Et Kounia, en allant dans le village de Dieu, la police, jeudi, a dit. Li mené opération dans village gen même reporter qui t'est constaté et blendeo t'est rentré en dans village ban nous très rapidement et bilan on ti crasse on ti l'idée parce que mon connaît que direction générale et police ça k'ap mené la police connait pas trop quoi dans bilan dis nous qui j'en ba la fini en bas dans village porte-parole. Alors, avec tout respect que mien pour vous, oui, nous prenons un bilan, mais il faut que nous soyons sûrs du bilan que nous avons. Mais si c'est pourquoi, oui, nous prenons un bilan, même j'entends pour nous.
excusez, porte-parole, qui sont les sur de bilan? Faut que nous sur de bilan, ça veut dire qui ça? Comment dit? Ça veut dire qui ça? Faut que nous sur de bilan. Non. On dit que nous parlons de bilan. Bah dit nous pas vle non. Bon, pour bay bilan faut gagner nous pas gagner. Nous pas gagner bilan. On dit nous pas quoi dans bilan. Pardon du tout pas parce que à chaque opération qui fait il y a un bilan. Alors depuis que là on comprend ça veut dire bilan. Ça veut dire au moins une idée de cette défaite là et si gagner des positions abordées, gagner et des idées à partager, d'autres réflexions autour d'opération, les capables de permettre nous que nous faisons évaluation et l'individualisation pour là, nous au bilan. Mais là, c'est au niveau technique, mais qui doit beaucoup au niveau public parce que pour nous certains que tout ça, nous toutes informations pour nous réunir. Alors, et objectif là, depuis au début, c'est permettre que la population captive paisiblement dans la zone. Et nous croyons que en majorité, en sa grande majorité, c'est de citoyens, c'est de honnêtes qui vivent dans le village là. Mais malheureusement, il y a quelques bandits qui empêchent nous d'activer l'activité. C'est une raison à chaque fois que nous parlons sur radio, notamment sur Radio Mégala, espace, une émission ça qui vont écouter, qui est assez considérable, nous devons toujours profiter en termes d'âme pour que nous la population nécessité pour tout écouler avec les forces de l'ordre parce que. Que sécurité n'est pas simplement une question de police, mais c'est une plateforme, c'est pour un package et population, les mêmes rôles pour jouer. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas, nous, c'est vrai que la police est un élément clé de lui au niveau de la sécurité, et nous devons faire travailler, nous, et donc les autres faites, que certains qui plus encore, qui vous pouvez faire. Et nous d'accord, avec nous, nous d'accord, avec nous, avec une pression pour la police avancer, et nous-mêmes, nous, on a fait une pression pour qu'elle avance, mais nous, pas qu'à faire le bon nous, pour que la population également d'autres secteurs. Effectivement, depuis matin, il y a une opération qui est lancée dans zone là, et zone village là, il y a plusieurs unités spécialisées de la police là, qui est mobilisée. Et nous arrivons tous les deux côtés que nous arrivons dans zone là, et il y a justement l'autre travail encore que nous faisons. Alors, ça ne fait pas en mesure à ce moment-là pour moi, comme nous avons un bilan partiel, c'est parce que tout simplement, nous avons encore une opération. Hein, et pas les techniques dans ça nous va le faire, mais parce que dans le cas de Nio, la bonne vision pour que nous sommes capables d'avoir plus d'informations. Mais encore une fois, l'objectif c'est d'arriver à libérer la population paisible qui vit le village là de groupes de bandits qui empêchent les bâtiments de l'activité. Quitter et nous pouvons faire bilan, mais la police tire en bilan. Bon, on connaît que c'est une opération à aller et monsieur il y a une puissance de feu. Et nous-mêmes, au niveau radio, tout que nous condamnons sur l'auto. Alors, mais même ça me dit que vous connaissez cartouche ça, yo, policier par nous, ça veut dire vaillant policier ça, yo tiré à qui vous tirez en l'air, dans mi. Bon, vous avez appelé un peu partout. Oui, ok. Est-ce que des gens nous ramassent à tête des victimes? Est-ce que des gens qui prennent balle, des gens qui mourent? Heureusement, selon toute information, il y a non. Heureusement. Ok, mais pas des gens qui sont stoppés. C'est important pour moi, c'est important pour que nous signalions. La police. Ça passe plus mal. La police n'est pas là pour la justice. Ça capabilise. Il y a des situations, échange de tir, avec des présumés bandits capables de gagner des bandits qui sont stoppés. Mais c'est ce que nous pas souhaité. Ça qui est plus important, c'est la vie. C'est-à-dire, même les mouvements bandits, objectif non, c'est arriver, épingler les mouvements, ok, et puis transférer devant la justice. C'est ça l'objectif. Mais nous pas organisation, institution qui là, qui a plat poitrier, non, du tout pas. Ok, mais ça peut arriver. Dans des opérations, qui sont de tir, ça n'a pas pu vivre des mouvements qui sont victimes, malheureusement. Et la police, pas objectif, c'est pas tirer les gens, c'est arrêter, mettre en prison, porter le bail à la justice a fait suivi. Justement, la justice mettait en prison quoi des bouquets, ils ont sauvé. Qui ça explique jusqu'à présent, Gary Desrosiers, porte-parole police nationale, nous, poko, population, poko j'aime qu'à connaître combien de monde tout bon qui arrive quitter prison. Qui est yoyé et puis qui non yo parce que habituellement qu'on affiche yo qu'on dit la police a pas que j'aime dit
mais lis moun qui quitte prison, hein, mes photos, mes images pour population nan niveau pas le ka aider. Qui ça qui explique ça? Et l'applique dans la prochaine conférence de Bouvet, nous allons financer des avis de recherche concernant du monde qui est arrivé et prison civile, quoi de Bouquet, en semaine passée. Mais bon, on va mourir la parole, la police arrêtée, et puis il y a sauvé dans la prison. Alors là, que la police arrête pour la justice, et donc on est que au niveau de la prison et de la gestion. Lui-même, il a une vocation de garder l'habilité. Alors, c'est sa mission. Avec dit, lui, il travaille par l'affaire. Et puis, nous, même tout, au niveau de la police, de l'administration, il y a des corps de policiers. Mon travail, c'est vrai qu'ils ont été gardés par des policiers, mais nous, on travaille d'administration pénitentiaire, qui fait, et mon travail, la police a été, de toujours écouter aux ordres de la justice. Qui ça a expliqué prison écrasée? Pour quelle raison? Ça n'a rien comme élément d'information. Alors, moi, je comprends bien cette question-là, et ma principale question en tout, j'aime tout l'autre tout à l'heure, et d'avoir mesure pour que, au niveau de la police, pour que nous sommes capables de faire plus considération dans la prochaine conférence de presse de la balade, et en toute façon. Mais, est-ce que gagner des policiers à Pena qui sont en prison, et que l'inspection générale attendait par négligence et autres, est-ce que gagner qui répond à une question et la police qu'on a? Alors, c'est pratiquement abaissé et toute ton procédure au niveau de la police. Mais j'aime de là, je ne veux pas voulais non plus anticiper, moi je voulais j'aime de tout à l'heure, si que ma parole m'a partagé l'information avant, il faut que moi-même gagne des éléments chiffrés, des éléments documentés et dans ce cas-là, je vais partager avant les certains de dans une prochaine conférence et nous avons mesure pour que nous parlions de ça. Combien moun effectivement qui t'a perdu la vie pendant l'évasion ça? Moi, je crois que j'ai au niveau secrétaire d'État et communication, qui fait un point de presse sur ça. Et il t'a parlé de ça, et nous ne pouvons pas que ça a dépassé. Mais Jean Dolan, même au niveau de la police nationale, et donc capable de me pencher confiance dans la famille pour que nous parlions. Parce que des mémoires, parce que vous connaissez que. Et conversation avec Jean-Jacques Lambert, c'est pas de ça que nous avons parlé, nous avons parlé surtout d'un point qui a fait attention concernant les véhicules qui sont arrivés et interceptés, mais toutes les questions sont à la pour documenter et nous avons mesure pour que nous élaborions un peu plus dans les conférences de presse que nous avons très prochainement. Gary de Rosier, Mounio dit, il faut me faire une réponse quand même dans mon, parce que vous n'avez pas fait une finalement, pose une dernière question pour me faire une réponse. Non, c'est normal. Non, ouais. Mounio. Attention. Et n'a dit que toutes questions, c'est des questions de qualité. Et questions, c'est des questions qui sont censées. Et nous comprenons tout, insistons sur qu'on a besoin et qu'on réponse. Et nous connaissons toute population, tout, attendons tout à réponse. Mais j'en dis là, n'a fait de manière technique, avec tête reposée, pour nous finir avec des chiffres documentés comme à la côte. Gary, c'est journaliste ou tous ces policiers journalistes à la fois. Bon, une question au moins public là, je veux une réponse. D'accord? Non. L'autre dit pas une réponse. Moi, quoi que. Non, bon, me faire plaisir. Qui t'aime poser une question ça? Ou quand on a boucaté la parole dans le talk show, m'a pose une question ça pour une réponse quand même. Vous d'accord? Boucaté la parole. Et ou quand on a beaucoup de sortir, m'a pas cadeau. Oui. Ou souper déjà, Gary? Ou pourquoi souper? Pour qui ça? Non, pas poser une question. Au contraire, pas poser une question. Laisse-moi manger, mais manger, gars. Au contraire, pas poser une question. Est-ce qu'on soupe déjà? On va manger trop tard. Merci un peu, Gary. À bientôt. C'est une lettre que nous avons écrit tout organisme et direction et organisme dans le pays. Donc, pour OPC, par exemple, prochain lettre, nous allons aller voir l'OPC. Parce que nous avons interpellé tous les directeurs généraux, tous les directeurs techniques dans le pays, parce que nous avons une bonne responsabilité. Si nous n'avons pas voulu être complices dans ça et nous la tête de l'État, nous avons fait. Monsieur Frédéric Lecomte, directeur central police judiciaire. Monsieur le directeur, la direction politique.
politique de l'opposition démocratique regroupant les partis et regroupement de partis politiques pour nous veiller. Vérité, secteur démocratique et populaire, unité, OPL, fusion, Mokrena, Uniforce, AAA. Se fait le devoir de porter à votre attention les points ci-dessous. Premièrement, le dimanche 28 février 2021, le docteur Ernst Paddy, le citoyen à mobilité réduite, médecin de formation spécialisé en pédiatrie, a été froidement abattu à proximité de sa clinique dans l'exercice de ses fonctions. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre clairement les visages des malfrats opérant en toute quiétude. Deux, le 1er mars 2021, Magali Habitant, à l'émission de Grande Écoute, Panel Magique, a déclaré qu'elle a rendu service au pays en allant chercher les deux ressortissants dominicains et leur interprète haïtien, Junior Albert Augustma, kidnappés le samedi 20 février 2021, puis libérés le 26 février 2021. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion CNDR, chargée des négociations avec les ravisseurs, lui a demandé de les conduire à la DCPJ, ce qu'elle s'est empressée de faire parce qu'appartenant à un régime. Le 3 mars, l'électricité d'Haïti accuse réception de la lettre d'ISO et de Mono adressée au sieur Michel Présumé, directeur général. Les deux chefs de gang sollicitent de l'institution une aide financière à l'occasion de leur mois, de leurs 3 ans d'existence et de résistance en date du 7 et 8 mars 2021 et le courant électrique durant la période des festivités. 4. Le vendredi 5 mars 2021, l'homme d'affaires Jean-Marc Podestin arrache sa liberté contre son après avoir été séquestré pendant une semaine, alors que son fils Jean-Baptiste Podestin, chargé de remettre le montant négocié, a été retenu par les mêmes ravisseurs. 5. Le vendredi 5 mars 2021, un bus transportant des passagers vers Carrefour a été conduit à Grand Ravine, quartier général des kidnappés. Le vendredi 5 mars 2021, les nommés Joseph Mathieu et Peterson, alias Pepet, sont arrêtés et remis aux agents de la drogue, DIA, et du Bureau fédéral d'investigation FBI. Le premier détenteur d'une carte d'accès au palais national est le chauffeur de l'ancien président de la République. Le second est impliqué dans une dizaine de cas de kidnapping et de l'enlèvement de deux ressortissants américains. Pour un état des lieux et un rappel de la mission de DCPJ, Monsieur le directeur, la DIRPOL fait état de ce tableau lugubre, bien réducteur, des actes de violation des droits de la personne pour vous dire de la répulsion de toute une société d'une part et de vous appeler à vos responsabilités publiquement non assumées d'autre part. Depuis tantôt 2 ans, la société haïtienne vit avec inquiétude l'augmentation des cas d'enlèvement contre rançon et assassinat. En effet, pas un jour ne passe sans son lot de kidnapping, et ce, dans tous les coins du territoire national. Toutes les catégories sociales en sont frappées. Enfants, adultes, commerçants, propriétaires, etc. Même les handicapés, même les pauvres. En plus d'être un phénomène criminel et barbare, il occasionne des dommages économiques, physiques et psychologiques sur toutes les victimes. S'agit-il d'une forme de terrorisme d'État, monsieur le président, sont carrément effrayants. En 2020, plus de 1200 cas de kidnapping et plus de 480 morts. De janvier 2021 à date, 3000 cas de kidnapping et 1 000 morts. Ces actes de banditisme et de kidnapping, dans leur des mesures révoltent la conscience citoyenne, la conscience tout court, éloignent la société du lignage humain et forcent beaucoup de jeunes à fuir le pays. Ils partent à destination du Chili, du Brésil,
et de la République dominicaine. Alarmée par cette situation sans précédent, la Diopote s'interroge, mêle sa voix à celle des Haïtiens et Haïtiennes honnêtes, soucieux, responsables, pour exprimer son ras-le-bol. Il est navrant, franchement, de constater que malgré les demandes répétées de la population aux oreilles des autorités pour faire face à ce phénomène, aucun kidnappeur à date n'a été ni arrêté ni déféré à la justice. Aussi, les regards sont-ils convergés sur la police nationale dans une de ses composantes, la Direction centrale de la police judiciaire. Il convient à cette phase de vous rappeler, Monsieur le Directeur, le mandat de la DCPJ au regard de la loi du 29 novembre 1994 portant sa création, organisation et fonctionnement de la police nationale. À ce sujet, l'article 31 dispose les attributions de la Direction centrale de la police judiciaire sont celles qui sont déterminées par le code d'instruction criminelle, les autres lois et règlements agissant, régissant la matière. Elle a pour attribution spécifique de constater les infractions aux lois pénales, en dresser procès-verbal, en établir les circonstances et en rassembler les preuves. Elle consiste aussi à rechercher les auteurs des crimes, des délits et flagrants délits. Surveiller et rechercher les malfaiteurs opérant ou se réfugiant sur le territoire national. Coopérer avec les organisations étrangères de la police au besoin. Lutter contre la contrebande, le trafic illicite des stupéfiants. Fournir toutes informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l'ordre et la sûreté politique, économique et sociale dans le cadre des lois de la République. Le constat, c'est qu'il y a une exécution de cette mission, directeur général. Monsieur le directeur général, la Direction centrale de la police judiciaire se sent-elle concernée par le massacre perpétré à La Saline en date du 13 novembre 2018? Par le massacre perpétré au Bel Air du 4 au 8 novembre 2019? Par la formation du G9 en famille et alliés sur recommandation de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, CNDDR, les officiels américains ont eux-mêmes procédé à l'arrestation de deux bandits proches de l'ancien président Jovenel Moïse, en vue d'être interrogés par la justice américaine. La DCPJ, au contraire, prend toutes les dispositions pour sécuriser les bandits. Le chef de gang surnommé Tilapli affirme avoir kidnappé le fils de Titi, l'autoborette. Il informe qu'il fait construire l'hôpital à Grand-la-Ville. Votre direction n'agit pas. Le G9 en famille et alliés, hautement sécurisé par la police, manifesté à Port-au-Prince, au Bal de Delma et à Fontamara. Mieux, la caisse d'assistance sociale débloque des fonds nécessaires permettant aux gangsters de défiler en toute quiétude. Votre direction n'agit pas. Le refus manifeste de servir contre les gangs est un déni des droits constitutionnels des Haïtiens et des Haïtiennes. Un déni des droits universels, des droits de l'homme et des citoyens reconnus par la Charte de l'Organisation des États américains, celle des Organisations des Nations Unies. Un déni de la loi du 18 août 1979, publiée dans le Moniteur 1979, en date du 1er octobre 1979. Sanctionnant le pacte de San José de Costa Rica et un déni du décret du 23 novembre 1990 publié dans le Moniteur numéro 2 du 7 janvier 1991. Le préambule de la Constitution amendée de 1987 est sans équivoque. Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaît la dignité inaliénable de la personne humaine. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Une telle déclaration rejette la tyrannie, la discrimination et le mépris des êtres humains. L'article 1 du pacte de San José de Costa Rica porte sur l'obligation de respecter les droits. Il est dit, les États parties s'engagent à respecter les droits
ces libertés reconnues par la présente convention et à garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leurs compétences sans aucune distinction fondée sur la race, sur la couleur, sur le sexe, sur la langue, la religion, les opinions publiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale. Imprescriptibilité contre les violations des droits de la personne humaine de ce type. Les différentes entités sociales et politiques sont-elles coupables d'organiser des manifestations de rue réprimées à coups de gaz lacrymogène par la police? À l'évidence, la DIRPOLP a de ce que la DCPJ fait de son mieux pour protéger les bandits. La police nationale d'Haïti, de commun accord avec votre direction, n'assure pas la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens. Ne prévient pas les infractions et ne recherche pas activement les auteurs pour les traduire devant les juridictions compétentes dans le délai fixé par la loi. Les autorités compétentes de connivence avec la DCPJ utilisent cette entité comme instrument pour persécuter tous ceux qui disent non à leur dérive, et notamment les partis politiques de l'opposition. Les dispositions constitutionnelles et les conventions au regard des libertés fondamentales inhérentes au respect à la dignité humaine ne sont pas des textes académiques de bonne intention. Les articles 27 et 27.1 de la Constitution disposent « Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent. Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation des droits. Dans ce cas, la responsabilité s'étend aussi à l'État. Le 18 juillet 1998, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait que la création de la Cour pénale internationale est un gage d'espoir pour les générations à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'État de droit. Il y a là, monsieur le directeur, un danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation haïtienne. Les assassins, les kidnappeurs, les bandits sont partout présents sur le territoire. Ils sont dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les sections communes. Ils circulent à visière levée, tyrannisent les Haïtiens et les Haïtiennes, font la loi. La DIRPOLP, dès qu'il sera techniquement possible, portera plainte par devant les tribunaux et cours nationaux et internationaux jusqu'à ce que les violateurs de droits soient jugés et punis conformément à la loi. Voici notre réquisition, monsieur le directeur. La DIRPOLP se fait le porte-parole de toutes les familles haïtiennes brutalisées et décapitalisées, endeuillées, traumatisées, de toutes les femmes violées, de tous les enfants privés de leurs parents froidement exécutés, des maris enlevés à l'affection de leurs femmes, kidnappés et exécutés, des femmes privées de leurs maris assassinés, des membres de la diaspora dépouillés de leur avoir. Elle vous demande de vous débarrasser des contraintes extérieures qui entravent l'exercice de votre mission telle que définie par la loi et livrer une bataille sans merci aux bandits qui empoisonnent la vie. L'homme et la justice ne peuvent pas cohabiter, monsieur le directeur. Sans justice, sans application de la loi de manière impartiale, c'est le désordre, l'anarchie et le retour à la loi au plus fort. C'est le retour à l'état de nature. Une société qui ne réagit pas contre les voies de fait porte en elle les ferments de sa propre destruction. L'État a la responsabilité de l'ordre public. Et pour parler comme Lamoignon, la justice n'est pas une bienfaisance. Elle est en réalité un devoir de l'État. En espérant que la présente vous portera à vous rappeler en toutes circonstances la mission de la DCPJ, et votre responsabilité en tant que directeur, la DIRPOLP vous prie, monsieur le directeur, de recevoir cette salutation. Copie conforme au directeur général de la police.
copie conforme au commissaire du gouvernement pour la réparation.